Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'info en direct au sommaire. Ce soir, les enjeux de la cybersécurité au cœur d'une journée organisée par le département aujourd'hui. Alors, quelles sont les menaces et comment s'en prémunir? Mathieu Rouvert, le vice-président du conseil départemental chargé de ces questions, vient nous répondre dans un instant sur ce plateau. Un centre de santé municipal pour lutter contre la désertification médicale, des poules sauvées de l'abattoir par un jeune couple en Dordogne et le prochain déménagement de la sellerie Antares, réputée dans le monde entier. C'est au programme ce soir de votre hebdo vidéo à voir dans quelques instants. Et puis une rencontre exclusive ce soir avec Vincent Delerme. Le chanteur s'est entretenu avec Patrick Lega, qu'il parle de musique ce soir mais aussi cinéma puisque Vincent Delerme vient de sortir son premier film et il est également en concert à Bordeaux dans quelques semaines. Mais d'abord les titres de l'actualité. Une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Les avocats se sont mobilisés ce matin à Bordeaux devant la cour d'appel. En grève dure depuis bientôt 2 semaines, les avocats bordelais multiplient les actions pour alerter l'opinion publique et être entendus sur les conséquences de la réforme des retraites pour leur profession. Les premières épreuves du nouveau baccalauréat doivent commencer lundi. Elles pourraient bien être perturbées par une grève des enseignants. Certains menacent de ne pas corriger les copies, d'autres réclament simplement le report de la réforme. La polémique autour de l'incinération des déchets en Gironde. Les présidents d'établissements publics en charge de la gestion des déchets étaient réunis ce vendredi à Saint-Léon. Ils pointent du doigt l'accord passé entre la métropole et Veolia et dénoncent une situation de quasi-monopole. La météo, les éclaircies vont réussir à s'imposer demain dans le ciel de Gironde. Il fera beau, sauf en fin de journée où deux petites averses pourront vous surprendre sur le littoral. Les températures sont en légère baisse, il fera 9 degrés au meilleur de la journée. Mais d'abord, 2 personnes ont été hospitalisées hier suite à une fuite de cyanure dans une entreprise de Mérignac. 60 litres de ce produit cyanurique ont donc fuité ce jeudi à Prodec Metal. C'est une société spécialisée dans le traitement des métaux. Une 40aine de pompiers sont intervenus tandis que les salariés, eux, ont dû rester confinés sur les lieux. Si l'on ne sait pas encore à quoi est due la fuite, il n'y aurait aucun dommage pour l'environnement ou le voisinage selon les autorités. On écoute. Les pompiers sont intervenus hier effectivement avec des scaphandres. On peut saluer leur intervention qui a été extrêmement efficace. Ils ont pompé la fuite. La fuite n'est pas alimentée, elle ne continue pas. Il reste quelques résidus qu'on va devoir nettoyer. C'est la raison pour laquelle cette nuit, la préfète de la Gironde a suspendu l'activité de l'établissement. Donc l'établissement est fermé jusqu'à nouvel ordre. Nous attendons des résultats et le nettoyage pour pouvoir réouvrir la société. Les émissions sont traitées par un laveur de gaz qui est adapté au traitement de ce type de produit. Nous sommes allés vérifier ce matin, le laveur de gaz fonctionne encore, donc il n'y a pas de problème pour l'environnement autour. Et puis le barreau de Bordeaux ne compte pas lâcher son combat contre la réforme des retraites. Ils étaient entre 200 et 300 ce matin devant la cour d'appel pour faire entendre leur mécontentement. Les avocats ont d'ores et déjà annoncé que le mouvement de grève se poursuivrait jusqu'au 24 janvier. Le système judiciaire est fortement perturbé avec une grande partie des audiences suspendues. Reportage de Tony Molina. Toujours une forte mobilisation des avocats du barreau de Bordeaux contre la réforme des retraites. Après avoir obtenu le renvoi d'un procès de cour d'assises hier, ils voulaient marquer le coup lors de l'audience solennelle de la cour d'appel ce matin. Installés sur les marches du palais de justice, ils souhaitent alerter l'opinion publique. Nous sommes obligés de bloquer le système du service public de la justice parce qu'on ne nous entend pas. Voilà, on se fiche de nous. Le garde des Sceaux se fiche de nous. Donc, tant qu'on se fichera de nous, on bloquera le système et le barreau de Bordeaux sera en pointe pour bloquer le système. Je veux que ce soit très clair. Toutes les audiences sont bloquées. J'ai fait renvoyer hier l'audience devant la cour d'assises. J'ai fait renvoyer hier l'audience devant le tribunal pour enfants, version criminelle. Nous bloquons tout. Voilà. Tant qu'on ne nous entendra pas, nous bloquerons tout. C'est la décision unanime du barreau de Bordeaux. Tant que nous ne serons pas entendus. C'est clair et c'est comme ça et c'est pas prêt de changer. Si cette réforme des retraites semble toucher tous les avocats, c'est surtout les jeunes qui s'inquiètent pour leur avenir. La réforme entraînerait la perte du régime autonome et le passage de 14 à 28% des cotisations.
ce qui obligerait beaucoup de cabinets à mettre la clé sous la porte. Le Conseil national des barreaux a des chiffres, le nombre de cabinets qui font un chiffre inférieur à 40-50 000 euros. Et effectivement, ces chiffres-là ne pourront pas supporter cette augmentation. C'est principalement des jeunes et c'est pour ça que la profession étant très jeune et très représentée par les jeunes, notamment aujourd'hui, l'impact sera colossal sur ce type de cabinet. Et justement, des confrères autour de moi de mon âge m'ont dit qu'ils envisagent de quitter la profession d'eux-mêmes si jamais cette réforme passe, plutôt que de regarder leur cabinet sombrer. Après avoir revêtu leur robe noire, les avocats ont décidé d'entrer dans le palais de justice. Une aide d'honneur de dos s'est formée pour accueillir les invités qui venaient assister à l'audience solennelle. Un geste symbolique pour montrer leur désaccord avec le gouvernement. Le mouvement de grève est reconduit jusqu'au 24 janvier. En attendant, une grande partie des audiences du tribunal sont suspendues. Voilà, hier soir, la cérémonie des vœux de la députée La République En Marche de Gironde a été perturbée par des manifestants, des opposants au projet de réforme des retraites. Avocats, enseignants ou encore gilets jaunes se sont invités à la cérémonie organisée cour Mably. Après 30 minutes de dialogue impossible, la députée de la deuxième circonscription de Gironde a mis fin à l'événement et a quitté la salle entourée de policiers. Catherine Fabre qui a réagi aujourd'hui dans un communiqué, elle dénonce la violence de cette intrusion et des actes d'intolérance, ce sont ces mots. La grève qui continue également à la SNCF, mais le trafic est quasiment de retour à la normale. On va regarder les prévisions pour ce week-end. Vous le voyez, les TGV et les Ouigo circulent normalement ce week-end. Une petite amélioration également du côté des TER, puisque 9 trains sur 10 circuleront. Pour les Intercités, il y aura 6 trains sur 10 en Nouvelle-Aquitaine. Tous les détails sont à retrouver sur le site sncf.com. Les premières épreuves du nouveau baccalauréat, les fameux E3C, commencent dès lundi dans la plupart des établissements. Elles risquent d'être fortement perturbées par un appel au boycott des syndicats enseignants, grève de surveillance, refus de corriger les copies ou de transmettre les notes. Les modalités d'action sont nombreuses, mais si la majorité des profs a demandé leur report, tous ne sont pas prêts pour autant à faire grève. On fait le point avec Dominique Parmentier. Ici, au lycée Magendie, les enseignants se sont fortement mobilisés contre la réforme du lycée et du bac. Sur la centaine concernée, une soixantaine a signé une pétition pour demander l'abandon des E3C. Mais sur le boycott des épreuves de lundi, ils sont plus divisés. Certaines collègues veulent boycotter ces épreuves, certains collègues veulent les bloquer, certains collègues veulent les surveiller et les faire passer. Donc clairement, il n'y a pas unanimité dans la salle des profs sur la manière de faire avec ces épreuves. On était, on va dire, 25 sur 100 enseignants prêts à faire grève. Mais bien sûr, très habilement, la direction n'a pas convoqué ces gens-là pour surveiller les épreuves. Donc les gens qui sont convoqués ne sont pas mobilisés. Donc moi, je vais essayer de fédérer le plus de collègues possible pour qu'effectivement, on fasse en sorte que ces épreuves ne puissent pas avoir lieu pour les élèves. S'ils ne parlent pas de blocage, les enseignants en grève promettent d'être présents devant le lycée et ne devraient pas être seuls puisque certains mouvements de jeunesse appellent, eux, au blocage. Pas sûr donc que les épreuves puissent avoir lieu, ce qui, dans le contexte actuel, arrange la plupart des élèves. Parce qu'on n'est pas du tout prêts, parce que les sujets c'est n'importe quoi, que ça fait un mois que les professeurs sont en grève, du coup moi j'ai pas de cours. Je pense que ça peut être dangereux parce qu'on sait pas quand est-ce qu'ils seront reportés. Mais je comprends aussi le fait qu'ils sont inquiets parce qu'il y a beaucoup de profs, que ce soit d'anglais ou d'espagnol pour ceux qui passent l'espagnol, du fait qu'on n'est pas préparé sur ce genre d'exercice-là. Donc si elle se déroule, ce ne sera pas bien. Donc si lundi, en quelque sorte, elle se déroulait, ce serait une mauvaise chose pour les élèves et une mauvaise chose pour les collègues qui vont les corriger. Puis voilà, bon après on nous dit que de toute manière si on les passe et qu'on n'est pas de cours ou quoi, on nous mettra 20. Et ça évoque 68, mais 68, ce qui veut dire des examens qui n'ont pas beaucoup de valeur. Selon le SNES-FSU, qui appelle lui à une grève de la surveillance, 90% des établissements de l'Académie s'opposent sous forme de pétition ou de courrier envoyé au rectorat aux E3C. Mais on ignore combien boycotteront réellement les épreuves. C'est le cas au lycée Max Linder, où l'ensemble des enseignants concernés ne participera pas du tout à l'organisation des épreuves qui se dérouleront ici le lundi 27 janvier. Ils promettent ce jour-là une action forte. Voilà, et par ailleurs, le lycée Magendie, mais aussi le lycée Eiffel pourraient être bloqués lundi par le mouvement interprofessionnel contre la réforme des retraites. Dans l'actualité, également à Bordeaux, le parking des Salinières pas encore rouvert après l'incendie qui a ravagé les lieux au mois de mai. Les travaux suivent leur cours alors qu'on parlait d'une réouverture au printemps. Le directeur d'Urbis Park avance plutôt le mois d'août comme date de fin de travaux.
Guerre de clochers sur fond de traitement des ordures ménagères. Les syndicats des territoires de l'Entre-deux-Mers et du Sud-Gironde dénonçaient aujourd'hui le monopole de Veolia qui n'applique pas le même tarif pour la métropole et pour le reste du territoire girondin. Des tarifs d'incinération des déchets à la tonne multipliés par 5 dans ces zones rurales. Explication avec Christophe Chavanneau. 411 000 tonnes, c'est la capacité des deux incinérateurs de déchets ménagers de la métropole, situés à Lormont et Bègles. Des incinérateurs qui accueillent également le traitement des déchets non recyclables de l'ensemble du territoire girondin. Depuis la signature en fin d'année de la délégation de services publics par la métropole, c'est Veolia qui est aux commandes de ces structures. Jusqu'à présent, le marché était partagé entre Suez et Veolia. Une situation désormais de quasi-monopole s'offre à Veolia qui détient également le site d'enfouissement sur la Pouillade au nord-est de Bordeaux. C'est ce que dénoncent justement les établissements publics de traitement des ordures ménagères du Sud-Gironde et de l'Entre-deux-Mers au moment du renouvellement de leur contrat avec Veolia qui a fait bondir la facture de près de 15%. On ne peut pas accepter une situation de monopole. Demain, on va avoir, aujourd'hui, on a 13%. Demain, combien ça va être? Et après-demain, combien ça va être? On ne fera que subir des augmentations. Ce qui se passe actuellement, c'est inacceptable. On a vraiment le sentiment aujourd'hui que c'est les territoires ruraux qui vont payer les poubelles de la métropole. Il n'y a qu'un seul opérateur sur ce territoire. Donc, on est, il nous semble, sur une situation où on peut interroger la légalité de ce marché. Des augmentations qui vont donc se répercuter sur la facture du contribuable local. Ils dénoncent également l'inéquité territoriale. Si pour la métropole, le coût du traitement des déchets incinérés est de 26,57 euros hors taxe la tonne, pour le Sud-Gironde et l'Entre-deux-Mers, Veolia les facture à 102,50 euros hors taxe la tonne, soit près de 4 fois plus. Vous ne la sentez pas ma colère, hein ? Hein ? Vous ne pouvez pas imaginer ne pas la sentir. Non, mais on ne peut pas considérer qu'on est dans un même département, une métropole qui est la locomotive de notre région, qui ne peut être que la locomotive, et qui à un moment donné se coupe de ses wagons. Ça devient un autorail, mais c'est plus une locomotive. Et donc on ne peut pas imaginer de continuer de fonctionner comme ça. Donc j'attends, et nous attendons avec mon collègue, que nos collègues de la métropole viennent vers nous, puisque c'est la demande qu'on leur a formulée par écrit, et puis que l'on trouve ensemble la solution ou les solutions qui nous permettront d'avoir un territoire qui soit plus solidaire que celui qu'il est aujourd'hui. Les élus des 11 syndicats de traitement des ordures ménagères girondins, hors métropole, ont tous signé une lettre adressée à la préfète de Gironde, ainsi qu'au président de Bordeaux Métropole, pour statuer sur ce différend. Et à voir demain sur TV7, Champ Libre, nouvelle saison, le magazine culturel qui témoigne de la vitalité artistique dans les campagnes de la région. Demain, c'est donc le premier épisode de cette saison 3 à travers la culture néo-aquitaine que vous pourrez voir à partir de 18h sur notre antenne. On regarde la bande-annonce. Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champ Libre explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. De Contis, on connaît les dunes, les plages, mais moins le festival de courts-métrages. Du cinéma grand écran avec l'océan pour horizon. La photographe Christelle Westphal a imaginé une étonnante coiffe végétale pour une série de portraits où il est question de porter la terre. Rendez-vous au bout du monde à Jarnage, depuis l'atelier du percussionniste Léquanine. Depuis son petit village de Dordogne, la chanteuse, musicienne et photographe Dawa Salfati se fait exploratrice des sonorités du monde. Le beau roman « Ici ça va » de Thomas Vinot est à savourer dans notre rubrique Lue. Dans le village de Morins en Dordogne, avec la nature pour seul décor, la compagnie du Théâtre du Roi de Cœur a fondé un festival aussi poétique que stimulant. Voilà, le sport et la crise aux Girondins de Bordeaux. Nouvelle défaite hier soir à Pau. Les Bordelais comptaient pourtant sur la Coupe de France pour se donner un peu d'air après une série de revers en Ligue 1. Mais Pau a créé la surprise au bout de la prolongation. Score final 3-2. Et aucun match de championnat ce week-end pour nos équipes bordelaises. L'UBB se déplace à Londres pour affronter les Wasps en Coupe d'Europe. À Bordeaux, donc, pas de match, mais à noter une compétition
qui s'ouvre au Palais des Sports, le Star Perche, troisième étape du Perche Elite Tour où le champion olympique Renaud Lavillény fera son retour à la compétition à moins de deux mois des mondiaux d'athlétisme en salle. A noter, pour finir, cette fermeture du pont Chaban ce dimanche soir pour cause de travaux de maintenance entre 22h et 5h. L'ouvrage sera fermé à la circulation. Pensez donc à organiser vos déplacements. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on va parler cybersécurité. C'était le thème d'une journée de conférences et de tables rondes organisées au département de la Gironde. On en parle avec notre invité tout de suite.